Lundi 20 mars 2023, M6 a diffusé le premier épisode de Marié au premier regard. Ainsi, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Annabelle et Fabrice, compatibles à 74%, et de Léa et Emmanuel, compatibles à 81%. Durant la diffusion, les internautes étaient au rendez-vous pour commenter le lancement et les deux hommes n'ont pas été épargnés. Et dès le début de l'émission, les téléspectateurs n'ont pas non plus caché leur tristesse et leur colère. Lors de la conférence de presse de Marié au premier regard 2023, la production a fait de grosses annonces. Pour commencer cette saison, un couple gay sera présenté pour la première fois. Et, gros changement, Pascal de Souterre ne fait plus partie de l'aventure. L'expert a préféré céder sa place pour cette nouvelle édition. Ainsi, si est le médecin sexologue et thérapeute de couple Gilbert Boujaoudé qui a été choisi pour le remplacer. Le souci, tout le monde n'était pas au courant. Lors du lancement de l'épisode, les internautes n'ont donc pas compris pour quelle raison Pascal de Souterre était absent. Si est qui ce type il est ou Pascal? Et si est qui Gilbert rendez-nous Pascal, donc la deux mauvaises nouvelles de la semaine après le 49. Maintenant si est-il le départ de Pascal, je veux le retour de Pascal et de la fameuse chemise orange et du fameux oui bonjour si est-il Pascal, un Pascal vous manque et tout est dépeuplé, tellement triste à l'idée de ne plus entendre bonjour, si est-il Pascal, si est-il quoi ce scandale, je cours de mon cours de crossfit pour voir Pascal et il n'est plus là, Gilbert, tout le monde a Pascal dans le cœur. Si tu mets des chemises oranges, peut-être qu'on t'aimera, a-t-on notamment pu lire.